Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve pour le walkthrough du chapitre 4 de Resident Evil 6. Mais comme vous pouvez le voir, je suis en train d'attendre un autre joueur qui est Kades88. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et voilà, donc il n'y a qu'un mot à dire pour l'instant. Donc bon, alors je vais t'inviter. Et j'attends. Alors j'ai reçu un message. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, hey, en direct, nous avons une invitation d'amis. Eh oui, vous voyez que je commence à devenir une star, on peut dire. Donc, je vais accepter. Et puis, je regarderai après, plus tard, qui c'est. Donc, voilà. Donc, alors, où on était? Alors, je vais inviter notre... Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va directement appuyer sur le bouton spécial « Inviter un ami ». Parce que sur différents jeux, il n'y a pas le bouton spécial invité d'amis. Donc on est obligé d'aller dans le home. Allez, fais sa sélection dans le menu, il y a marqué. Alors, inviter à un jeu. Et il n'y a plus qu'à attendre. Alors le truc qu'on a remarqué, c'est que c'est un peu con. Parce que dès que l'invité rejoint le jeu, la partie commence tout de suite. On ne nous laisse pas le choix de commencer quand on veut. Donc c'est un petit peu un peu con, mais bon. Donc alors, est-ce que tu me rejoins? Voilà, ça y est. Normalement, oui. Aïe. Voilà. Allez. Alors, ça met direct la partie. Voilà, ça met tout de suite la partie. Donc alors, là, ça va être le chargement. Donc justement, on vient juste de finir il n'y a pas longtemps avec Chris. Et on va dire que la fin de Chris est très surprenante, on va dire. Hein. Oui. Alors bon, on va attendre un peu le chargement. Voilà, on se retrouve tout de suite après la cinématique. Ça y est, on arrive en Chine. Parfait. Ça va, tu tiens le coup? T'aurais dû me dénoncer. T'aurais été blanchi. Peut-être. Mais ça n'arrêterait pas Simmons. Et puis, je commence à m'habituer à ta présence. Et voilà, on se retrouve alors là en pleine action, dis donc. Avec le retour de la grosse vache. Eh oui, de la grosse vache qui nous a laissé un mauvais souvenir quand on l'a rencontrée la dernière fois dans la cathédrale. Alors, elle va certainement vouloir infecter tout l'avion. Oh, attention, chérie! Tu vas lâcher ma femme! Lâche ma femme! On va repeupler la terre, n'oublie pas! Vite! Ouh! Ah non! Vite! Il faut que je t'aide! Vite! Allez! Allez! Désolé. Je vais te donner la pilule! Je vais te donner la pilule! Ah non, c'est vrai, on peut pas! Non, faut repeupler la planète! Non, je vais te donner des trucs pour ovuler! Tiens, prends ça! Prends ça! Allez, karatéka! Ah, on va lui faire une technique! C'est parti! Voilà, dans la gueule. Je me serais peut-être attendu à une technique un peu plus surprenante, mais bon. Il a donné un coup de pied. J'ai remarqué que Léon, il est agile avec ses pieds, lui, hein, dis donc. Ah, il prend ça. Voilà, on l'a eu. Enfin, on l'a pas encore eu. On a passé la première phase. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, moi, j'ai plus de balles de fusil à pompe. C'est pas grave, on va voir ce que j'ai d'autre. Léon, Elena, vous me recevez? Alors, notre cher Inegan, qui nous guette de partout. Allez vers l'arrière de l'avion et trouvez ce qui cloche. Oh, super. Il faut qu'on trouve la cause de l'anomalie. Donc... Alors moi, je fonce. Ouh. Attention, les messieurs.
Votre attention à tous, vous allez devenir des zombies. Ne paniquez surtout pas. Ah, il y avait une plante. Voilà, une plante. Ne paniquez surtout pas, vous allez devenir des zombies. On va foutre des balles dans la tête et c'est tout. Une autre plante. Mais moi, j'ai l'inventaire plein. Ah, essaye de voir si t'as peux pas faire de la place. Je vais attendre celle-là pour pouvoir les combiner. Voilà. Et je recharge mes tic-tac. Et voilà. Il n'y a rien d'autre. Bon, allez, on y va. Allez, dans les escaliers. Oui, on a oublié un emblème. Bon, c'est pas grave. On vous le fera voir en repassant. De toute façon, on passe par là. Donc là, celui-là, c'est le deuxième emblème. Hein, alors, attendez. Voilà. Ah, ça, c'est le deuxième. Et le premier est. Et quand on descend les escaliers. Mais bon, c'est pas grave. On l'aura aussi. Donc là, il y a un trésor ici. Vite, il faut prendre le trésor. Voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. Et on va tourner. Oh, allez, je suis fort, allez. Voilà, ça y est. Et voilà, c'est parti. Ah, c'est Lena qui m'attend. Je vais me faire attendre. Est-ce que je viens? Non, je viens pas. Est-ce que je viens? Non, je viens pas. Allez, c'est parti, je viens. Parce que de toute façon, on est obligé. Alors, ouais. Ça fait un peu penser à une partie du chapitre avec Chris. Oui, quand on est dans la cale du bateau, ouais, on est. Ouais. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut? Oui, je suis là, ne t'inquiète pas. Tu veux, hein, c'est ça, tu veux que je repeuple la terre. Hein. Allez, c'est parti. J'aurais cru qu'on aurait eu un QTE pour faire ça, mais non. Comme on est à deux, bah voilà. Alors, c'est bon, ça y est. On a réussi à temps. Ouais, je pense. Tout a l'air calme pour le moment. Normalement, il y a l'autre bête qui revient. Et voilà, la voici. Ah, t'inquiète pas, elle échappe pas à la règle. Capcom, ils lui ont dit, tu reviens à ce moment-là. Alors elle, bah elle revient. Ça, c'est la programmation. Hein. Oh non, il libère le gaz. Allez, vite. Un. Non, je veux pas d'un câlin. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Non, elle va m'embrasser avec la langue. Non. Vite, va falloir que tu m'aides parce que là je crois qu'elle me met KO là. Ah bah non, c'est bon. Heureusement, t'as ouvert la trappe. Heureusement que Kaze était là. Sauvé par le gong. Alors attention parce que là il va falloir faire la technique qui est pas facile. C'est vrai que j'ai eu du mal à. Alors attendez. Ouh, c'est pas facile. Oh, attends. Oh, ouh, ah, non. Ouh, j'ai échappé belle, dis donc. Ah bon? Alors, attendez. Voilà. On y est presque. Oh. Allez, un petit coup de main. Yeah. Allez. Ah, moi, elle veut pas, hein. Ah, c'est pas facile. Ouah, Léon, il y avait un bug. Léon, il avait la face dans la texture de la trappe. Voilà, c'est bon, on y est. Allez, il n'y a plus qu'à refermer. Voilà. Et voilà comment vider les poubelles. C'est pratique. L'avion prend de l'altitude. Allez dans le cockpit. Oh non. Il est là, il faut y aller. Allez, vite, il faut y aller. Oh oui. Oh non. Le gaz. Non. Arrive où l'emblème? Alors attends, il y a des zombies. J'arrive. Pas de touche à ma femme. Attention. Alors, donc je préfère préciser que c'est la seule phase où il y a des zombies dans ce chapitre. Il n'y a pas de zombies ailleurs. Alors, attends. J'aurais bien voulu quelques petits zombies, moi. Et en plus, moi, avec. Presque plus de vie. Ah ouais, alors attends, bah c'est pas grave, je vais me soigner. Parce que j'ai des tic-tac. Alors attends, hop. L'emblème, où se trouve-t-il? Alors attends. Ouh, ah, attention. Non, les zombies. Non, moi je veux les niquer, les zombies. Alors attention. Mais non, ils sont à moi, les zombies, pas touchés. Voilà, dans la tête. Surtout, il faut qu'on ait une bonne précision. Ça, la précision, elle joue beaucoup pour avoir un S. Et moi, je suis un taré DS. Un. Non, tu vas me lâcher, tête de merde. Un. Espèce de lunetteur. Hein, Goku? Ouais. Pour te demander l'emblème, où se trouve-t-il? Parce que là, il faut pas probablement. Non, mais il est tout de suite. Il est tout de suite là, attends. Ah, oh, mais merde, ils sont chiants ceux-là. Attends, oh, allez, on reprend de la vie. Voilà, c'est bon, j'ai de la vie.
Alors attends, j'aurais voulu quelques petits zombies, moi, parce que j'en ai pas eu beaucoup des zombies. Alors attention. Ah, attends. Ah oui, d'accord, il faut qu'on aille là. Enfin, je regarde s'il n'y a pas de zombies. Attends, j'entends. J'entends grogner. Y aurait-il un zombie qui se cache quelque part? Aïe. Bah, c'est bizarre. J'ai entendu un zombie, mais. J'en ai tué un. Ah, mais c'est pas juste, moi j'en ai pas eu. Bon, t'en as eu plein. Mais non, j'en ai même pas eu. J'en ai eu qu'un. Voilà. J'en ai eu qu'un. Alors, allez, dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Mais bon, en général, là, je pense que la précision, elle va être bonne. Parce que c'est pratiquement que des boss qu'on a et on a juste à les shooter. Là, on va avoir notre. On va avoir l'ancêtre du Némésis. Ou plutôt, non. Sa succession, plutôt, non. Pas l'ancêtre. Ah oui, j'avais zappé ça qu'on doit battre l'homme d'un nom. Alors, attends. On a rencontré. Donc il est là, regarde bien. Alors voilà, donc vous prenez le truc à l'envers, ici c'est le premier, et le premier qu'on a eu c'est le deuxième. C'est, voilà, c'est pas grave. Alors attends, voilà, je le laisse, hein. Oui, je vais lui foutre une balle dans la tête avec mon super fusil à pompe de malade. Attention, souris. Ah merde, j'ai pas eu sa tête, pas grave, attends. Voilà, je l'ai eu. Et lui, il est tombé dans les escaliers. Bon, je les ai loupés. Ah, mais tu veux. Ah, mais ils sont chiants ces zombies, disons. Ah, je suis tombé dans les escaliers. Des zombies têtes dures, c'est pour ça. Ah non, mais c'est. Léon, c'est un cascadeur en plus de tout ça. Il a réussi à rien avoir en tombant dans les escaliers. Normalement, dans les films, ils sont déjà à moitié morts. En ouvrant la porte, vous avez libéré de la pression et déstabilisé l'avion. Léon, tu vas devoir piloter cet avion. Oui! Je vais. Oui, bah voyons, moi je vais piloter l'avion et puis Elena, elle va se faire plein de zombies. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est tout. Ah bah Léon, il s'appelle de trop, c'est pour ça. Alors attends. Allez, vite, il faut que je cherche. Donc il faut que je désactive le. Ensuite, appuie sur le troisième bouton de la quatrième rangée du panneau supérieur. Oh, voilà. Je désactive le pilotage automatique. Oui, je vais incliner mon manche vers la droite. Allez, il est où le manche? Ah, voilà le manche. Allez, le Léon, t'es fort, tu peux y aller. Allez. Attention, il y a un zombie qui est vers moi. Hein. Voilà, c'est bon, on est remonté. J'ai tué un zombie juste avant. Ah bah là, il est. Ah oh. Allez, faut que je pousse les gaz à fond. Allez. Ah bah non, pas trop de gaz non plus quand même. Allez, faut que je pousse. Allez. Il faut qu'on remonte, sinon on va se crasher. Voilà, on est remonté. Attention, moi je suis un pilote hors-pair, attention. Ouais, on a réussi mais on se crache quand même. Super. Le métro. Ouais, il y a notre Ada qui s'appelle dessus. Ah ouais. Ada, enfin, il y avait donné rendez-vous. Rendez-vous sur le métro. Moi, j'arriverai avec un avion. Ouais, bah oui. Sauf qu'en vrai, bah, on s'était un peu perdu et bah, on est arrivé un peu. Ah bah, en tout cas, on voit Léon, c'est rendez-vous galant. C'est formidable, hein. Rendez-vous galant en Chine avec un avion plein de zombies. Voilà. Avec ma maîtresse, Elena. Comme ça, on pourra rencontrer. Ah bah, Léon, il en a tellement des maîtresses maintenant, on les compte plus. Bah oui, il en a plein. Écoute. Même dans Resident Evil, des générations, la fille là, qui nous aide. Mmh. Ah, on en a même plus entendu parler de celle-là. Hein. Il les prend, il tire son coup avec et il les jette. Ce sale Léon. Et il a même eu une petite liaison avec le Némésis 2. Ah. Et puis il a aussi eu une petite aventure avec les méchants qui se reconstituent. Vous allez voir ça va vous faire penser à une bébête qu'on connaît bien. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'espère qu'elle est majeure maintenant. Ça va être. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Léon, ça. Elle est majeure, il va pouvoir la rajouter dans son livre de conquête. Tu dois sûrement faire erreur, je travaille pour Simmons. C'est lui ton supérieur? Nous avons rendez-vous avec lui maintenant. Où est-il? Dis-le-moi. Jake,
L'autre Tu me touches débile, il pas, hein. s'interpose. Tu me touches pas, hein. Moi je suis Léon, hein. Moi j'ai sauvé Chéri de Raccoon City, hein. Toi, hein, tu n'étais qu'un embryon à cette époque-là. Même pas, tu n'existes pas. Ah ouais. Mais le pire, c'est qu'il a l'air d'avoir été créé naturellement, puisque normalement, on a entendu dire que il est mercenaire et il fait des boulots comme ça, c'est pour pouvoir soigner sa mère qui est malade. Donc, Ah bah, peut-être, hein, je sais pas moi. Wesker est un drôle de zigoto. Il avait des aventures en plus de vouloir conquérir le monde. Il était comme Léon, il avait des conquêtes partout. Eh ouais, je suis sûr que c'est même Ada. C'est sa Oh, maman, c'est pour ça qu'il est peut-être un peu chinois sur les voies. y a copain Jean-Agus. Oh non! C'est le fils de Némésis! Ah bah oui, tout le monde a des kits maintenant. Mais Léon, lui, il en a pas le pauvre. Ah, ça, c'est à force de zigouiller des zombies, il est devenu stérile. Oh. Et en plus, c'est bizarre, mais ils l'ont fait exprès, Capcom. Hein. Il a la même mèche sur l'œil que Léon. Ouais. C'est le fils de Léon! Attention, c'est un méchant, lui. Il veut nous attraper avec sa pince. Avec ta pince, grappin, attends, c'est un On se croit, hameçon. on se croirait dans les fêtes foraines. On va attraper des peluches avec la pince. Il faut mettre 20 centimes. Oui, il a Oh, tu attrapé un as mis Jack dans Wesker. son panier. Il a attrapé un Non, Wesker. non. Il a attrapé un Wesker. Ouais. Wahoo, attention, moi je suis, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu cherches à faire là, hein? Bravo, Elena. Oh, bravo, c'est une catcheuse hors pair, Elena. Attention. Tiens, prends ça dans ta tronche. Au secours, il va vouloir nous Enfin, je mettre. vais me laisser enfermer dedans, en fait, c'est con. Ah, bah oui. Oh non, il s'en va déjà. On s'amusait tellement bien. Moi, j'aime chercher des objets. Alors, attends, ouais. Donc. Croyez-moi, ce type est indestructible. Foutons le camp d'ici. Oh, sale flippette, il veut se sauver, les. Attention, nous, on en a vu de belles, hein. On est les plus forts. Alors moi j'ai mis ça en professionnel, mais j'espère que ce sera pareil pour toi. Parce que j'ai remarqué un truc la dernière fois qu'on a fait avec Chris. Non, qu'on a fait avec Léon et que c'était moi, Elena. T'avais mis ça en amateur, mais moi les médailles je les ai eues en normal. Alors Ah c'est oui? bizarre. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc à vrai dire ça fait un mélange quoi. En vrai ça fait pas du professionnel quoi. Peut-être que toi comme t'as fait beaucoup en amateur et moi beaucoup en professionnel, ça mélange et ça fait moins fort. Parce que c'est bizarre, Ouais, sûrement. On l'a eu vraiment rapidement, hein, le Nemesis 2. Donc, allez, j'arrive. Allez, c'est parti! Mais non, tu vas pas, non mais. Allez, vite, Elena, moi je t'attends. Ah, bah, là, voilà, on voit son ombre qui arrive. Voilà, là, voilà. Donc, en vrai, on n'a même pas besoin d'Elena pour sauter tout seul. Mais bon. Ah Oh! bah oui, moi, Elena, elle sert à rien. Voilà, elle sert simplement à repeupler la Terre. Il faut vrai. Bah écoute, il faut qu'on puisse remplacer les zombies qui ont été transformés. Allez, c'est parti. Moi, Voilà je. pour Jean-Gus. Alors, moi, je vais pirater le camion. Le bus plutôt. Allez, voilà. On ouvre l'arrière du bus. Oui, parce que moi j'ai un petit faible pour l'arrière. Et maintenant je vais pirater. Pendant que Chérie, elle, va conduire. Allez, c'est parti, je vais pirater. Je suis prêt. Oh. Allez, c'est parti. Ouh, il y a une de ces phases de QTE. Oh non, j'ai Désolé, raté. j'éternue. Ah, saloperie de rhume. Ah, mais ça, c'est l'après-rasage du Némésis. Ah bah c'est bien, il n'y a même pas besoin d'échelle pour monter. Oh, mais c'est pas facile déjà. Allure, tu vas crever. Oh, dis donc. Non, c'est pas le fils de Léon, c'est son frère adoptif. Oui, mais il a une drôle de ressemblance pour être un fils adoptif. Ah bah, hé. Parce qu'il est jaloux de Léon, c'est Ah ça. oui, c'est pour ça. Il a dû dire que je vais être plus beau que lui, voilà. Et il me roule dessus. En plus, c'est même pas moi J'ai qui t'a presque roulé été dessus. mort. C'est même pas moi qui t'a roulé dessus. C'est Chéri. Elle t'aime pas C'est parce pas qu'en faux, vrai il y en a carne, elle hein. est amoureuse de moi et comme elle te voit avec moi, bah elle est jalouse. Alors, il Allez, faut c'est retrouver parti. notre emblème aussi, hein. Notre cher Némésis en a marre du fusil. Alors il va prendre sa bonne vieille pince.
Et en plus, il s'est manicuré en plus, attention. Il a les ongles bien pointus. Bon, alors, voyons voir. Il est où ce sale Némésis? Je savais pas même pas si c'est des ongles, c'est plutôt des griffes, ça, des dinosaures. Ouais. Et hop là, tu m'as pas trouvé. Hein. Je pensais que c'était une plaisanterie. Tu touches pas, ma chérie. En plus, ça a deux sens. Tu touches pas à ma chérie pour chérie. Ah oui, hein. Ça c'est ah, sale con, heureusement. Alors, par j'ai contre, remarqué, désolé, moi je me promène. Moi j'ai remarqué un truc, quand notre carré de vie est pas retiré à fond, on peut le. Il se recharge tout seul. Ouais oui, j'avais remarqué aussi. Tu m'en rapportes. C'est un petit peu à la Modern Warfare, on va dire. Oui, un peu, oui, mais bon, c'est un peu moins. Moi, j'ai pas la mitraillette, hein. Ah, tu l'as pas. Ah, oui, bah, c'est vrai, t'as pas beaucoup de munitions. On l'a. Tu l'as jamais fait avec. Hop là, tu m'as pas eu. Ça va être rigolo d'être son otage, tu bouges pas, t'es dans son panier. Ouais, tu dois certainement avoir une séquence de QTE, je pense. Capcom ne te laisse jamais sans rien faire, voyons. Il faudra que tu le saches. Ah, ça oui. Léon. Et quand on ouvre les portes. Ah oui, ouais, c'est vrai, mais c'était un peu chiant, ça, c'est vrai. Oh, mais c'est qu'il a même des grenades. C'est vraiment une mamie, lui. Il a tout dans son sac. Polyvalent, ce Gugus. Il a tout. Il a tout dans son sac. C'est une mamie. Il a tout. Oh, ouais, il avait disparu. Oui, j'ai remarqué, il avait disparu. Allez, c'est parti. J'espère que ça sera bien pris dans la capsule. Ah oui, ça, t'inquiète pas, ça sera cul. Bah alors, le truc, moi, je trouve vraiment ça. C'est vraiment. Il meurt vraiment un peu lamentablement, quoi. On voit les panneaux électriques qui lui tombent dessus, mais on voit même pas tomber dessus. Et après, il y en a un deuxième qui nous tombe dessus. Il est où le corps, là? Il est où le corps du Némésis? Normalement, on aurait dû avoir des sous, normalement, pour l'avoir tué, comme c'était un boss. Ouais. Mais ça c'était plus dans R4 ça. Quand on battait un boss là on avait droit à une vraie récompense. Et là la seule récompense qu'on a c'est une explosion en pleine gueule. Ouais. Merci Capcom. Parce que ils ont voulu faire plus de feux d'artifice qu'autre chose. Voilà, ils ont dit ça va être beaucoup plus beau. Non mais bon, en vrai ils ont voulu faire comme à Raccoon City, et comme Raccoon City, les textures de Raccoon City c'est que des flammes, bah voilà. Ça a été pratique pour eux de faire Resident Evil 2, hein. Ils ont mis des flammes et encore des flammes. Ah bah oui. Allez, on tape. Allez, voilà, c'est parti. Merci. Donc, allez. Donc, Inigan, lui, qui est... Oh, j'ai pris Inigan pour un travelo. Non, Inigan qui est bien assis derrière son fauteuil en train de nous guider. Allez surtout en plein dans la gueule du loup et survivez surtout. Moi, je pianote sur mon ordinateur à rien faire. Voilà, je regarde des films porno. Voilà, elle regarde Léon, elle admire Léon en train de se battre contre Némésis. Elle admire son fond de culotte. Ouais, après elle se demande, bizarre, j'ai fait pipi dans ma culotte. Ah non, c'est moi qui a mouillé en vrai. Pour commencer, tu vas pouvoir traverser la chambre devant toi. Je dois marcher en plein air. Oui, on va faire du sport. 1, 2, 3, 1. Alors, on va faire la chasse au attends. Oh oui, voilà. Heureusement que j'ai vu la cinématique. J'ai vu la cinématique dans ta vision à toi. Ouais. On a vu un monstre bizarre qui était en train de faire un bobo à un pauvre monsieur qui est. Ah mais non, on l'a loupé. Attends, faut qu'on reparte en arrière. Allez, comme par hasard. C'est une cinématique aussi. Non, c'est pas vraiment une cinématique, ça. Enfin, si, ouais, si, un peu, ouais, si. Oh, des morceaux de cochon qui... Ils l'ont pas assez tué. Il fallait bien le couper en morceaux. Ouais, c'est un peu dégueu, quand même. Ah, ouais, c'est Resident Evil, hein. Ça, pour ça, franchement, on peut pas dire. C'est dégueu. Et justement, c'est ce qu'on aime dans Resident Evil, c'est des trucs bien dégueu. Et il chie sa deuxième moitié. Waouh. Ouais, il la dégueule. Non, il la dégueule, ouais, c'est plutôt ça, ouais. Allez, voilà. Donc moi, hein, ce monstre-là, il me fait beaucoup penser au régénérateur dans Resident Evil 4. Celui qui a plein de parasites dans lui, qu'on doit même sniper avec la lunette thermique. Ouais. Alors, allez, c'est parti. Oh, attention. J'adore comment il bouge. Oh,
il va se reconstituer. Et je sais pas si tu vois, mais la moitié, on dirait carrément une tête de mouche. Allez, on va prendre les petits trucs. Alors là, on a ça. Et donc quand on se met à côté, non. Il faut une clé. Ouais, voilà. Là, on a les clés. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, quand on appuie, on a notre GPS qui nous indique où sont les clés. Donc déjà, on va aller voir pour les emblèmes parce que ça, c'est le plus important. Donc alors. Donc, on doit aller voir le petit cadavre qui est ici. Oui, c'est lui, si, c'est lui. Alors, attends. Enfin, je crois. Attends. Ah, non, non, c'est pas lui. Enfin, je sais pas si c'est lui. Alors, attends. Donc, là, normalement, on peut pas. Le verrou est derrière. Mais c'est une barre, Brucie. Ah, tu as déjà une clé. Pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vite. Alors, attends, vite. Où es-tu? J'arrive pour te sauver. Ah voilà, c'est lui qu'on peut examiner. Non, la main. Non. Ah, il fait chier, le verrou est derrière. Laisse-moi-en un morceau. J'ai la dalle aussi, moi. Ah bah, trop tard, ils sont moins. Oh, non. Alors, attends, viens en voir. En même temps, il y a la main qui était sur moi, j'ai pas pu la laisser. Viens voir, essaye de revenir. Essaye de revenir vers moi. Parce qu'on peut examiner le corps. Le corps de celui qui s'est fait attaquer devant nous. Attends. T'es où? Pourquoi tu m'appelles? Bah, je suis en haut. Ah oui. Attends, t'es où? Ah, attends. Elle a pas des gros bras, elle. Hein. Alors, attends. Là, il y a une caisse ici. Voilà, je. J'arrive! Alors attends, comme par hasard, faut faire le tour. Attends, j'ai pas eu la caisse que t'as cassé. Bah ouais, c'était juste. Y'a un ennemi derrière toi. Ah, alors attends, je vais m'en occuper avec un tir rapide. Ah ouais, il est là. Eh, du coup, je suis là. Eh, je suis là. Ouais, il va me buter le cul. Alors, t'en redemandes encore? Ouais, je me disais aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en redemande? Non, il n'y a plus l'air d'en avoir. Par contre, Goku. Ouais. Si tu arrives à te procurer le jeu Fuel, il faudrait qu'on fasse des vidéos d'exploration du jeu. Ouais, bah oui. J'espère que ça sera regardé. Parce que le truc, c'est que le jeu est un peu vieux, donc ça le truc. Ouais, bon voilà. Ah, attends, viens voir, viens voir. J'ai l'emblème là, viens vite. Oui, j'ai vu dans ta vidéo. Ah oui, dans ma séquence à moi, voilà. Donc là, ça, c'est le troisième. Ouh. Eh hey, fous-moi le camp, sale con. Non, je peux m'en débarrasser tout seul. J'ai utilisé le magnum, allez, moi. Tu fous le camp à Babel, ouais. Donc alors, l'emblème 3 était ici. Et il suffit de prendre le joli sniper, qui n'est pas du tout celui que je viens de prendre. Voilà, le sniper, et on avance un tout petit peu, et il est ici. Et voilà, il était juste ici. Alors. Je m'en occupe! Tiens! Arrête de nous cracher dessus! Yeah, t'es mort, voilà, et voilà. Alors maintenant, il faut qu'on aille. Ah bah oui, c'est vrai, on a une clé, donc il faut qu'on aille la remettre là-bas. Allez, c'est parti. Ah, encore un méchant. Encore un méchant, à ce que je vois. Ah mais oui, encore un. On va prendre les deux flingues. Parce qu'avec les deux flingues, ça fait encore plus cool. Bah oui, mais bon, voilà. Oh ouais, ils sont pas mal les deux flingues quand même. Alors, ah, une main. Et hop, mais je balance. Cochon. Wouhou. Attends, je viens voir. Viens voir, Goku. Attends, on peut voir.
du bas de la tête aux pattes avant, d'accord, avec le vent. Mais au-dessus, il n'y a pas les pattes arrière. Ah ouais. Ouais, oui, bah, je sais pas, ils l'ont peut-être coupé. C'est peut-être une nouvelle race mutante de cochon. Ah ouais, ça doit être ça. Merci les OGN, les organismes génétiquement modifiés. Allez, ouais. Moi je monte en haut, suis-moi. Il faut qu'on aille chercher. C'était peut-être un cochon sirène. Ah oui, peut-être. Bien, Attends, donc alors attends, déjà je vais en bas pour pouvoir aller ouvrir de l'autre côté. Et tu vas voir, on va avoir un checkpoint et on va avoir un nouveau méchant qui va arriver. Oh, mais ils sont pas si méchants que ça. Oh, allez, ils sont. Il faut que tu m'aides à sauter aussi. Attends, bah attends, j'arrive de l'autre côté. Attends. Voilà. Attends. Il est où le méchant? Je crois qu'il est en haut, je crois. Attends, j'arrive. Où il est ce méchant? Ah, je t'entends tirer. Viens, s'il y avait une main. Ah. Il est. Ah, allez, bah, vers moi. Là. Attends, attends, je vais prendre la main, on va jouer au ballon. Tiens, oh, rattrape. Alors attends. Et voilà le travail d'un grand professionnel. Ah, tiens, v'là la deuxième moitié. Casse-toi, toi. T'en redemande hein, ce que je vois. T'en redemande hein. Ah bah non. Allez, je vais t'aider à sauter. Attends, il y a encore une main. Ah. Allez, oui, bravo. Il y a mon chien qui gueule dehors. Ah, dis donc. Je ne sais pas ce qu'il a. Dis donc, dis donc. Ah ça, il a dû voir un mutant. Alors, dépêche-toi de m'ouvrir de l'autre côté. Ah bah attends, je découvre là. Ah bah oui, c'est vrai, t'étais de l'autre côté. Il y a même un trésor. Ah, très bien. Ah, tiens, tiens, tiens. Voilà, une main en moins. Et un bas et un devant en moins. T'en redemandes? T'en redemandes? Ah oui, t'en redemandes, c'est bien ce que je me dis. Et là, t'en veux? Ah ouais, il y a aussi. Et là, il y a une main qui est en train de me poursuivre. Ah non, c'est carrément un. J'étais en plein combat quand tu me demandais de venir. J'ai vu. Allez, ouais, des affiches de films chinois. Ah, oh, mais il est coriace, dis donc, celui-là. Putain, la main, elle est méchante, là. C'est fini, il n'y a plus rien, c'est bon. Allez. Donc, attention, la musique. La musique redevient méchante. Alors attends, moi je vais regarder le méchant. Tous ces pauvres gens. Voilà. Mais ce méchant, il m'a même pas laissé le temps de dire ces pauvres gens. Pour la peine, je vais te donner un coup de magnum et ça t'apprendra. Moi, t'es méchant. Et voilà, dans ta gueule. Dans ta gueule, je me rappelle, quand on jouait à GTA 4, le taré, dans ta gueule, dans oh, ta oui. gueule, sans arrêt en train de dire, dans ta gueule, il n'y avait rien d'autre à dire le mec, mais ouais. Bah, c'était rigolo. On s'amusait bien en tout cas avec lui, à lui rentrer dedans. Alors franchement, il n'y a pas à dire, mais alors le multijoueur, franchement, de GTA 4, il est de plus en plus cheaté. Ouais. Alors attends, je crois qu'il faut qu'on aille de ce côté-là parce que viens voir. Attends. Voilà, viens voir ici, il faut qu'on vienne là. C'est ici qu'il faut qu'on vienne parce que il faut qu'on désactive l'électricité, rappelle-toi. Ouais, alors il y avait une porte là-bas. Ah ouais, oui. Attends. Il est où? Il est où? Ah oui, il y a une clé là. Et devinez ce qu'il y a. Et devinez, il y a un méchant. Et voilà. Ah, y a une baladeuse. Eh, tu tripotes pas ma copine, toi. Ah si, il y avait bien une main baladeuse.
Voilà, ça y a suffi. Attention, il y a un coup de pied au cul. Et voilà, tir rapide. Et il faudrait qu'on fasse des vidéos sur les mercenaries aussi. Ah oui, ouais, ouais, ça oui, ça aussi, ouais, faudrait les faire. Ça y est, t'es mort, tu vas crever, oui. Ah, quand même. C'est un mastoc, ça. Hein. Ah ouais, dis donc. Alors, attends, hop. Ah, 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 attention, il y a une main. Allez, on va décorer les murs. Voilà, allez, c'est... Ah, c'était les nouvelles décorations de Noël. Voilà, on va accrocher des morceaux de mutants dans les sapins. Ah, c'est une plante verte. Ah, où ça, où ça? Attendez, regardez bien. Tir rapide! Tir rapide! Alors attends, elle est où la plante? Je la veux moi aussi. Attends, vers le micro-ondes là. Où ça? Attends, ah oui, t'es où? Attends, ah t'es là. Alors, oui, c'est où déjà qu'il faut aller pour désactiver l'électricité? Attends, attends, t'es où? Attends, j'aurai la plante moi. Ah voilà, la plante verte, elle était là. Ah ouais. Attention. Ah merde, je l'ai raté. Ah merde, j'ai plus de balles. Ah, je suis dans la merde. Ah voilà. Avec ton vide. Voilà. Tout ça pour une main? Mais non, il y a aussi un méchant là. Voilà, ça y est. Ouh, encore un méchant. Il est mort. Ouais, mais pas la main. Et allez, paf, dans le micro-ondes, on va se faire une main farcie. Bon, il y a quoi d'autre là? Bon, là, faudra... Donc, alors maintenant, il faut débrancher le courant. Ouais, allez. Je ne sais plus c'est où qu'il faut aller. Il y a une manivelle, pas loin. Il y a un... Ah. Ici, attends, je vais le faire. Ah, il y a des... Tiens. Voilà, alors attends. Voilà, c'est là. Ah oui, c'est juste à côté. Oui, là, ceci, on y allait, on se faisait prendre un coup de jus. Eh oui, un bon coup de jus. Ah, elle aime ça, Elena, les coups de jus. Alors, vas-y, prends la clé. Attention. Ah, là, là, il y a un truc. Voilà. Oh. Aïe, mais casse-toi. Non, tu mourras pas, tu mourras pas. Sale con de menu. Con de menu, au secours. J'ai appuyé sur tous les boutons et maintenant bah, je suis dans la merde. Voilà, c'est bon. Ouh, voilà. Putain, dis donc. Vas-y, monsieur l'autre. Oh putain. Oh putain. On aurait pris un serpent. Je suis dans la merde, moi. Je vais bientôt crever. Ah, tu as besoin de vie. Ouais, j'ai plus de vie. Je sais pas si t'as pas un spray par hasard. Ah voilà. Voilà. Ça c'est. T'es soigné avec de la pommade moutarde. Ah ouais. Attends. Hop. C'est bon, ils sont plus là. Bon allez. Ouh. Bah dis donc, c'est que ça donne chaud. Tout ça. Alors... Allez, on fonce à la porte. Allez, c'est parti. Oh my god. Allez, et là, c'est là qu'on va faire un petit peu de viande hachée. Alors... Attends, alors, attends déjà... Je... Y a pas un emblème ici? Ah non, non, on les a tous eus, on les a tous eus. Ah non, c'est pas juste, c'était moi qui voulais le faire. Tiens, tiens. Ah, j'ai loupé. Allez, allez, allez. On fait du steak haché. Voilà. Et on voit des goulinets, mais c'est tout plat. Voilà, bah ouais, parce qu'en vrai, c'est y a rien dedans. Voilà. En vrai, les lames sont toutes propres. Ah oui, ouais. Oui. Bah d'un autre côté, ça tourne, donc le sang, il est peut-être parti aussi. Et bon, Goku, il est où l'emblème? Il est pas ici encore. Bah non, on les a tous eus. On en a eu deux dans l'avion et deux dans la ville. Ah oui. Dans le ski machin marché truc, là, je sais pas quoi. Mmh. Allez, c'est parti. Mais toi, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est qu'on fasse sur ta chaîne, avec mon invitation, le walkthrough de Resident Evil 5.
Ouais, bah oui. Suivons-la. Les méchants, ils ont tiré sur Ada. Ah, ils ont bien raison, là. Ah, c'est des méchants. Ah oui, mais en plus, oui. Ah ouais, ça, personne presque le connaît, ça, l'histoire de Ada. En vrai, y a deux Ada, quoi. Mais alors, le truc qui est un peu bizarre, c'est dans la cinématique, quand ils tirent sur Ada, la porte, elle est ouverte. Et là, bah, comme par hasard, elle est fermée. Voilà, Bien c'est pour nous bon. donner du fil à retordre. Et là, ce qu'on va faire... C'est qu'en vrai, en vrai, y a un petit choix à faire. On peut avoir l'ascenseur et on peut le rater. Parce qu'il y a Chris de l'autre côté. Si nous, on perd et que c'est Chris qui vont à l'ascenseur, on prendra les escaliers et on tombera à gauche. Et si on gagne et on prend l'ascenseur, on tombera à droite. Et après, si on pirate assez vite, on passera par un autre chemin. Si on pirate pas assez vite, ça disjoncte et ça sera Chris qui passera avant. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rater. On va essayer de le rater. Et attention. Tu m'as pas eu, laser. Ah bah voilà, c'est pas assez bien. On va s'amuser un peu à éviter les lasers. Comme ça, les cris auront le temps. Et puis comme ça, nous, on pourra passer. Parce qu'en vrai, moi, ce que j'ai envie de vous faire voir, c'est la partie des escaliers qu'on prend, nous, comme on a raté l'ascenseur, on va prendre les escaliers. Et il y a un petit clin d'œil. Vous allez voir. Bon, allez, moi je pense que ça y est, là, on va pouvoir essayer de... Voilà. Voilà. Oui, on a perdu. J'ai jamais vu quelqu'un qui était content quand il perd, mais c'est pas grave. Voilà. Donc eux, ils ont réussi à avoir l'ascenseur, et nous, on a perdu. Alors, on va prendre l'ascenseur. Waouh, super, on va prendre l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai, on a niqué qu'un, alors il faut niquer le deuxième. Attends. Vas-y, fini, voilà. Donc maintenant, regardez bien, nous, on va être forcé de prendre... Prendre l'escalier. Voilà, on va prendre l'escalier. Regardez bien. Alors attends, on monte tout doucement, viens à côté de moi. On va monter ça tout doucement. Ah oui. Regardez ça. Une petite caméra fixe. On va recommencer. Voilà, une petite caméra fixe. Voilà à quoi les jeux de maintenant pourraient ressembler avec une caméra fixe, avec les structures, avec les... pas les structures, les... je sais même plus comment qu'on appelle ça d'ailleurs. Pas la structure, comment qu'on appelle ça déjà? Les textures fixes, toutes bien travaillées. Et on a pareil en haut, quand on arrive devant la porte. Alors, attendez. Bon, là, ça revient normal. Et voilà. Là voilà, c'est encore une caméra fixe. On se croirait dans... Moi je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait beaucoup penser, cet endroit-là en caméra fixe, ça me fait penser à Resident Evil 0. J'ai vraiment bien aimé Resident Evil 0. En vrai, on va dire que Resident Evil 0, c'est le Resident Evil 6 de dans le temps. S'il y a un Resident Evil qui a déçu beaucoup de personnes, c'est Resident Evil 0. Et maintenant c'est le 6. Alors, donc, bah allez, on va passer là. Attends, si. Ah, ouais. Voilà. Allez. Une seconde. Elena! Elena! C'est parti, voilà. Alors là, la partie qui m'énerve. Ah ouais, ça, c'est une partie très méchante, mais c'est pas grave. Bah, essaye. Moi, je te con. Non, ouais, non, non. On nique. Ouais, vas-y, oui, vas-y. Je crois que c'est tous des fusils à pompe parce que le fusil à pompe est très efficace contre les secoupes. Moi, je te conseille. Dans toutes les vidéos que j'ai regardées, ils utilisent tous le fusil à pompe. Parce que le fusil à pompe a un champ de dispersion beaucoup plus grande. Il peut Oui, tirer et sur puis là on des... voit Chris et Pierce Ah oui, en fait, sont oui, c'est d'un vrai ça. côté. Regardez-les.
On est là! Coucou, coucou, coucou! Test des prototypes. Oh non! Regardez, des aspirateurs sans fil! Ah, c'est les nouveaux aspirateurs robots. Ouais, voilà. Ah oui! Oh purée, non, pourquoi tu recharges au mauvais moment? Ouais, c'est chiant ça. On entend le cri de tir. Je recharge. Oh, moi j'ai tiré dans le vide. Ça va me coûter cher. Voilà, un en moins. Elle recharge. Voilà, encore un en moins. Et faut que je recharge. Alors là en vrai on s'amuse bien, mais en vrai là faut qu'on pirate le truc donc. Ouais, il va bientôt falloir que je recharge hein, donc. Ah ouais, bah attends. Je recharge, couvre-moi. Ouais, vas-y, je te couvre. De mon côté, il y en a un. Oh non, méchant. Oh non, hein. Vas-y, moi je m'en occupe. Oui. Un de fait. Voilà, ça c'est pas mal. Ah bah, ils ont réussi. Ouais, en vrai, je crois que c'est vraiment bien scripté. En vrai. Ouais. Faut à 90% que ça soit Chris qui y arrive. Alors regardez bien, là, nous, on n'a pas réussi, Chris a réussi, et donc nous, bah, tout va disjoncter. Ah non, tout disjoncte. Ah non, aïe, ouille, ça fait mal. Ouais, comment ça dégonfle. Déverrouillage en cours, ça l'a dit bizarrement. Alors les deux enfoirés nous ont piqué tous nos trésors. Voilà, ouais, c'est la récompense de faire vite quoi en vrai. Allez, vas-y, je vais mater ton joli petit cul. Voilà, donc il y a Chris en bas et nous on est en haut. Voilà, ça, je me tombe de continuer. Donc là voilà, donc en Ada, enfin la fausse Ada est en train d'envoyer des grenades aveuglantes à Chris qui sont en bas et ça nous atteint en haut puisque c'est des trucs Ah là, on entend le ouais, on entend bien, Pierce ouais. Avec le doublage français de René Zika. Ah oui. Et on m'appelle sur Skype, ça c'est pas bizarre. Ah ouais, super. Mais ça c'est pas grave, on l'entend pas ça de toute façon. Ouais bah oui. Allez Ada, pas un geste. Là on va bientôt arriver à une passe, à un moment où Goku il adore. Ah ouais. Allez, round 1. Allez c'est parti, Chris prend. Attention, oh non, Léon il reprend la relève. Allez, il reprend. Chris commence à reprendre la main. Non, Léon, non, c'est Léon. Ah non, c'est Chris. Et c'est une inégalité. Et alors, ils disent que Léon il est blond. Enfin, ça fait pas vraiment blond. Il est Mais si, il est blond. Il est plus châtain très clair, moi je dirais. Blond. Châtain très 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 clair. A la base, dans Resident Evil 2, il était rouquin. Il est pas rouquin, il a jamais été rouquin. Dans Resident Evil 2 aussi. Bah non. Moi je le vois, j'ai jamais vu rouquin. Assez rouquin quand même. Oui, ouais, peut-être. Elle travaille pour Néo. Donc, Donc en vrai, oui, l'histoire, alors. C'est le président des États-Unis qui voulait tout révéler ce qui s'était réellement passé à Raccoon City.
Le Simmons, qui fait partie aussi du gouvernement, a pas voulu. Donc il a fait une attaque bioterrorisme dans l'université où que le président allait donner sa conférence. Léon arrive trop tard. Il rencontre Elena sur place, qui avait été manipulée par, par Simmons. Ah là, ça va, il n'y a pas la goupille. Ouais. Ils sont obligés de, bah, de tuer le président qui était des zombies. Après, Elena, comme elle a été un peu responsable à cause que Simmons l'ait menacée, elle lui dit qu'il faut qu'il vienne avec elle dans la cathédrale ou qu'il y avait un laboratoire secret de Simmons, tout ça. Et après, Simmons, lui, il s'en va en Chine. Et on découvre qu'en vrai, il est parti en Chine parce qu'il a su, je pense que ça doit être ça, il a su que Neo Umbrella était installé en Chine. Et la Ada clonée, c'est Simmons qui a cloné Ada pour en avoir une à lui parce qu'il était amoureux de la vraie. Mais comme la vraie a pas voulu de lui, bah, il s'en est créé une. Sauf qu'en vrai, en général, les choses qu'on crée s'en vont, désobéissent. Donc, elle est devenue contre lui et elle a été embauchée ou je sais pas quoi par Neo Umbrella, une organisation qui a pris la relève d'Umbrella. Et donc c'est là que Chris va justement voir ça. Alors nous, notre boulot c'est de poursuivre Simmons et le boulot de Chris c'est de poursuivre la fausse Ada. Donc là nous on doit, alors nous déjà on va aller là parce qu'il y a un petit spray, ça fait toujours plaisir. Alors donc nous on était où, nous on est arrivé, on était où, nous on, ah voilà, on a sauté de là-bas, voilà c'est ça. On a sauté de là-bas. En fait, hein, ce qu'on a fait, c'est un peu... C'est ça. Hein. Bah, ouais. Bah, en vrai, eux, ils ont descendu. Et nous, on a... ouais, nous, on a descendu. Et eux, ils ont monté. Enfin, non. Nous, on est resté où on était. Et eux, ils sont descendus. Et nous, après, on est redescendu pour être à leur même niveau. Mais quand on regarde bien, c'est un peu logique. Bon, alors, attends. On va recharger nos armes. Parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Il y avait des balles de magnum. Bah oui, je les ai vues. Alors. Alors, ouais, je regarde dehors. Les magnums, je recharge les magnums. Ah, bah ça, heureusement qu'il fait nuit. On serait plus dans Resident Evil, voyons. Ça, quand même, Capcom, ils ont peut-être mis un peu d'action, mais ils ont gardé l'ingrédient principal. Comme quand on fait, par exemple, un pot-au-feu, l'élément principal, c'est la viande. Et bah là, dans Resident Evil, l'ingrédient principal. C'est la nuit. Et pourquoi pas le pot au feu. Et pourquoi pas rajouter un peu de feu, hein, pendant qu'on y est, comme on rajouterait un ça, peu de légumes. C'est ce qu'ils font maintenant. Comme je pense que dans tous les Resident Evil qui vont sortir prochainement, il n'y aura que du feu. Ouais. Comme, on combattra le feu, on sera des voilà. Donc on met de la nuit, et on met de la nuit comme on mettrait de la viande pour un pot au feu, et on rajoutera un peu de feu. Comme on rajoutera un peu de légumes dans le pot-au-feu. Voilà. On va accompagner de la nuit avec un peu de feu. Et là, on a une ambiance un peu effrayante. Un peu effrayante. Je dis bien un peu. Alors, une ambiance Cro-Magnon. Ah oui, voilà. C'est ça. Ça doit être ça. Ils ont dû ressusciter les hommes de Cro-Magnon en version zombie. T'imagines? Eh, ça serait pas mal, ça, des hommes préhistoriques zombifiés. Ils seraient encore plus tarés que les zombies normales, quoi. Je vais pas spoil, mais bon, après, hein, Alex. Bah ouais. Désolé. Ça serait. Je pas que je dise le nom. C'est. Oui, ouais. C'est déjà fait, en vrai. Ah, agent Birkin, vous tombez vraiment bien. Veuillez arrêter ces deux individus, je vous prie. Ils disent que vous êtes en voilà, donc le. Est-ce que c'est vrai? Voilà le Simmons. Et moi, en vrai, je pense qu'il a su que la Ada Wong, la fausse Ada Wong qu'il a créée, et travaillait pour Umbrella, pour Neo Umbrella, et je pense qu'il a ou voulu la tuer, ou voulu prendre sa place dans Neo Umbrella, puisque lui aussi, c'est un scientifique. Et lui, il fait partie d'une organisation spéciale qui s'appelle la Famille. Ouais. Attention!
Parce que attention, hein, Jack c'est un sauveur. Le Jack, il aime bien sauver Chéri. Ouais, il a un petit faible pour elle, attention. Jack. Mais attention, t'imagines s'ils ont un enfant ensemble. Ça serait une drôle de clé génétique. Parce que Chéri, elle est immunisée contre le virus G et Jack contre le virus C. Donc t'imagines tout ça en même temps. Putain, ils seront immunisés contre un gros virus, hein. Ou alors, ce qu'ils pourraient faire, c'est synthétiser l'antivirus et en faire un virus. Ouais. Ça serait un drôle de virus. Un virus CG. Ou GC. Un GCM. Bon, un virus PDG. Oh ouais. Le virus... On le prend et on devient riche. Je sais, c'est nul. Mais nous, on est déjà virus du virus de la connerie. Donc là, on voit que la fausse Ada... qui est bien sûr au contrôle, enfin, elle travaille pour Neombrella, donc elle est au contrôle des Javos, parce que les Javos qu'on voit dans les ennemis de Chris, c'est les ennemis de Neombrella. Et comme elle fait partie de Neombrella, elle a envoyé un de ses monstres pour infecter Simmons, pour se venger de l'avoir créé. Elle a bien eu raison. Ouais. Enfin, oui et non, parce que là... Bah, c'est vrai que ça va pas nous donner du fil à retordre, quoi. Ça fait de la catastrophe. Bah oui, parce que là, elle va pas... Elle nous aide pas, hein, le mutant, hein. Parce que ça va être encore plus difficile à le... Oh, Ada, c'est qu'une poufiasse. Ah, la vraie, moi, je l'aime bien, mais c'est vrai que la fausse, elle est encore plus méchante, parce qu'en vrai, son but à elle, c'est de transformer toutes les humains en armes biologiques. Parce que pour elle, elle dit que les humains, ils sont pitoyables et que les armes biologiques sont mieux. Ah bah, hein, chacun son perspective du monde. Bah ouais. Enfin, ou alors, on peut dire aussi que chacun a la vision qu'il veut aussi. T'inquiète pas. Bah oui. On va rejoindre Simon pour... Simons. C'est plutôt Simon. Oui, c'est Simon. Simon. Ça a fait un Simon Monceau. Alors attends. On vous aura, Simon. Ce qui est pas mal. Je suis pas honnête. C'est pas mal dans leur métro là, en Chine. Eux, on peut aller de wagon en wagon. Enfin, nous aussi, on peut hein, dans notre métro à nous. Il y en a certains qu'on peut, mais il y en a, on peut pas. Quand on veut changer de wagon, ben on est obligé de descendre pour remonter dans l'autre. Et ouais, c'est la RATP. Ils ont des anciens et ils ont des nouveaux. Alors les nouveaux, ben on peut, mais les anciens, on peut pas. Alors c'est parti. Allez, je te monte et c'est parti. Ouais, elle m'a rattrapé. Elle est forte, Elena. Hein, y a pas à dire. Ah bah oui, elle arrive à porter Léon qui fait 90 kilos. Hein. Je sais pas s'il fait 90 kilos, mais... Oh, il en fait 150. Oh oui, voilà. Non, mais franchement... moi, franchement, Capcom... Je les poursuis en justice s'ils me sortent Léon comme Chris. Ah oh, là, je me suicide. Là. Léon comment ? Léon, comme ils ont transformé Chris en Chris de maintenant. Ah oui, hein. Ouais, si, ils font ça, oui. Là, c'est... Là, ouais, Léon en Hulk. Ouais, voilà. Donc là, vous avez entendu, là, c'est Ada, la fausse Ada, qui vient de lui dire qu'elle lui a donné ce qu'il y a donné à elle. Et vous devenez le monstre que vous êtes déjà venu. Et là, en vrai, il dit le Ada. Il dit Ada. Comme ça, d'un autre côté, il se venge de la vraie Ada. Comme ça. Parce qu'elle l'a pas voulu de lui, donc... En vrai, c'est pour ça, en vrai. Hein. Il se dit, en même temps, tous les actes que la fausse Ada fera, et ben en même temps, ça sera la vraie Ada qui sera accusée. Ouais. Donc voilà, il explique que si le président avait dit la vérité, bah l'Amérique aurait pu être pris au sérieux tout ça. Donc il a créé une arme, une attaque bioterroriste contre le président. Comme ça, bah il a pas pu avouer ce qui s'était réellement passé à Raccoon City, parce que le monde ne sait pas ce qui s'est passé à Raccoon City. Ils ne savent pas qu'il y a eu des zombies. Et voilà, regardez-moi, on a un puzzle. C'est puzzle. Ah ouais, c'est Transformer. Il s'est transformé en petit chien. Alors ce que je comprends pas, c'est dans les archives, quand on débloque les emblèmes, on a des archives sur les personnages, et ils disent que la première forme de Simmons, il garde encore sa forme humanoïde. Mais c'est pas une forme humanoïde, ça.
Moi, je trouve pas ça une forme humanoïde, ça, moi. Reste à distance tant que c'est possible. Franchement. Peut-être parce qu'il peut revenir humain de temps en temps, mais... Oh non! Il parle normalement alors qu'il est en créature. Ouais, parce que sa première transformation, il garde encore une part de lucidité encore. Une part d'humanité. De lucidité plutôt, moi je dirais. Parce que humanité, à vouloir nous tuer, je pense pas qu'il ait beaucoup d'humanité. Bah, les tueurs, ils tuent les humains. Ouais. Mais on peut pas dire que les tueurs sont humains. Il va dehors, le con. Allez, vite. Il faut qu'on remonte sur le toit. Attends, j'avais vu ça dans une vidéo. On peut ouvrir ici. Ouais, on peut ouvrir. Ah, merde. Oh, fait chier, c'est fermé. Bon, vas-y, Elena. Attends. Il est en haut. Ouais, viens, on va en haut. Ah bah non, attends. Il est où? Attends. Ah bah tiens, le v'là. Ah putain, il est chiant, il est là. Ah là, ils sont méchants avec le métro. Le métro, il bouge. Et donc, bah, on peut... Ah! Vite, Némil, au secours! Vite! Ah bah, je suis monté, moi! Ah bah, je suis mort, alors, c'est fini. Attends, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que j'ai le temps de... Eh non, j'ai pas le temps. Purée, mais non, mais c'est n'importe quoi, ça. Bah ouais, il m'a touché en un coup, et voilà. Mais c'est pas grave, on va recommencer, on va faire vite. Ça m'a bien marqué, Alex, 93, pas la fin et mort. Ouais, super. Faudra que tu me suives, Alex. Ouais. Bon allez, là, on va plus laisser faire. Rien à battre. Tiens, prends ça dans ta gueule, enculé de merde. Ah, l'enculé. Mais le truc, c'est, je sais pas, comment t'as monté? Normalement, t'as... Il y avait une porte ouverte sur le côté. Ah oui, oui, dans la cinématique, à un moment donné, on monte... Bah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Attends, je vais utiliser le sniper, ça ira plus vite. Ça y est, il s'en va. Ah ouais. Et c'est là que t'es monté, toi? Oui. Ouais, ça va. Ah oui, ouais, on peut... Ah oui, ouais, ouais, ouais. Eh oui, voyons. Oh, ils sont forts quand même. Hein. Ils arrivent à monter comme ça. Il y a ça, la vieille carne. Putain, c'est impossible de viser. Oh, ah ouais, d'accord. Ils sont chiants. Hein. Ils veulent absolument qu'on se sépare. Quoi. Ah, le v'là. Il est là. Merde, ouais. Ah, il s'est retransformé. Je vais vous massacrer. Ouais, 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 ouais. On parlera ça de demain. Allez, vas-y. Vas-y, tu peux y arriver. Ouais. Et désolé pour ça à qui Chris plaît, mais franchement, il lui ressemble, là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Allez, on se tire. Bah, il est rentré. Ah, il est... Ah bah attends, viens, on va pouvoir l'avoir par là. Léon, viens m'aider. Je crois que je peux monter. Bon allez, viens, vite, on monte. Vite. Je viens avec cette métro de merde là. Attends. Merde, elle est redescendue, cette conne. C'est bon, il est revenu en normal. Ah, j'ai été vite. Hein. Allez, vite, dès que t'as fini, tu viens vite. Je en remonte. Allez, bien vite. Avant qu'il se transforme. Allez, vas-y, vite. Voilà. Et vite, aide-moi, aide-moi. Ah, merde. Ah, oui, c'est. Ah, vite. Ah, putain, putain. Ah oh bah non, il revoit. Oh, il m'a attaqué de lumière. Voilà. Il y a encore... Merci, Dindon. Allez, c'est parti, maintenant j'arrive. Attends. C'est pas pour être méchant, mais je trouve qu'il est mal fait. Quoi. Ah ouais. Eh, le truc... Avec le truc. Ses craquures, ce plat. Bah moi j'aime bien. Ah non. Oh mon dieu, Léon.
Donc le truc, le truc un peu bizarre, c'est que... Il se transforme en espèce de vieille bestiole moche. Ouais, il a un truc encore plus... Ah ouais, et là c'est moi qui dois courir là. C'est moi qui dois courir là. Fais gaffe hein. Ouais, il est mort. Bon, tous les objets ils étaient réapparus pour moi. Ah ouais, pas mal. Voilà, Léon il est fort là. Il peut même sauter, putain. Oh non, je vais mourir. Oh non. Bah, j'étais en train d'arriver, mais c'était au ralenti. Il m'a planté. Ouais, fallait que tu lui tires dessus pour qu'il me rate. Ah d'accord. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est un peu incompréhensible, il marque même pas ce qu'il faut que tu fasses. Bah en général quand c'est au ralenti faut que tu tires. Mais bon c'est pas grave, on va recommencer. Et surtout tire bien sur lui, hein. Ouais. Je vais essayer d'appuyer moi sur A vite. Ouais, vas-y, à toute vitesse. Là, je me prépare déjà, je suis en train déjà de me préparer. C'est bon. Putain, c'est bon, le char. C'est bon. Je suis remonté à temps. Oh, pute. Ah, désolé, il fallait. Ouais, mais bon, c'est attention vrai que... avec ces trucs de. Ouais, à la con, mais franchement, c'est mal fait. C'est mal fait, mon dieu. Il nous tire des. Il nous tire des morceaux de dos. Il nous tire des côtelettes. Voilà. Ah, il s'est cassé la gueule. En plus, c'est vrai, on dirait des cochonnettes. Ça me donne faim, moi, tout ça. C'est toujours qu'elle recharge au mauvais moment. Oh, il est là. Avec sa vieille gueule. Bon, là, là, là. Bon, là, je crois qu'il faut qu'on évite ça. Voilà. Ouf, on a réussi, putain. Ah, de justesse, hein. Ouais. Allez, il est où? Ah, il est là. Il faut qu'on le... Ouais. Attends, regardez la puissance. Wouhou. C'est mal fait. Ouais, moi, j'aime pas. Allez, vite, il faut tirer dessus. Oh putain, dis donc, j'espère qu'on va réussir. Prends ton sniper parce que moi j'ai pas de sniper là. Voilà, on l'a eu. Oui, oui, oui. Et là, oh. Et il revient en humain. Et là, il est mort. Oh, pourquoi il tire pas dessus quand il est comme ça? Bah parce que je pense qu'il croyait qu'il était en train d'agoniser. Il s'apprête, il se dit merde, il doit être mort quand même après ce qui y est arrivé. Et c'est là qu'il va se retransformer, envoyer une poutre en métal sur Léon. Et c'est Elena qui va réussir à l'avoir pour la première fois. Hein. Après, ça c'est que la première étape. Hein. Ouais. Le monde aura enfin la paix. Non, je pense pas qu'il y aura la paix. Comment qu'elle se la fait, elle est là. Ouais, la balle qui va passer en plein dans la tête. Non, là... Ça, c'est... Moi, je dis que c'est pas mal fait, quand même. C'est pas mal. Ouais. Mais bon, le fait que le monstre a encore sa tête humaine... Bah en général, dans tous les monstres de Resident Evil 6, ils ont encore la tête. C'est ça justement, c'est la tête humaine qui est le point faible. Ouais. Pourquoi est-ce que ma famille m'abandonne? Il y a certains, j'avoue, qui n'ont pas la tête humaine. Ouais, oui, parce que leur tête était carrément explosée. Mais lui, attention, lui c'est pas le virus C normal qu'il a. C'est le virus C mélangé aux anticorps de Jack. Donc il est encore beaucoup plus fort. Et là, c'est bon. Je sais pas la note qu'on va avoir. Je vais pas regarder. Oh, j'ai des écrans partout de ma télé. Ah, je suis comment pour j'ai l'ordi de l'autre côté, j'ai la télé de l'autre côté. Je suis foutu. Faut que je regarde. Faut que je fasse face à ma note. Ah non, c'est vrai. C'est une cinématique. Alors voilà. Attends. Donc voilà tous les. Attends, c'est cool. Voilà tous les hélicoptères, tout ça. Enfin, je crois que c'est les hélicoptères de la famille, ça.
Aïe. De la... Ah, mais oui, c'est vrai, c'est pas encore fini. Enfin, c'est pas fini, on a juste à monter en haut. Super! Et on entend les soldats qui Donc parlent. il est mort? Je sais pas, mais on a fait ce qu'on a pu. Allons-y. Ah, dis donc, notre pauvre Léon, ils sont fatigués. Hein. C'est bizarre, s'ils sont seulement sortis de l'eau, ils sont déjà tout secs. Ah ouais. À mon avis, j'aurai un mauvais score. Oh bah, on va voir. J'ai peur. Oh, si j'avais un S. Oh, si j'avais un S. Oh, si j'avais un S. S'il vous plaît, que j'aie un S, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites que j'ai un œuf. Donc là, tu vois, là, les gens, ils sont sauvés. Il n'y a plus de virus, il n'y a plus rien. C'est l'évacuation de la ville. Mais non, c'est pas fini. Mais non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Comme dans Jackie Chan. Je me demande un truc, est-ce qu'en 2013 on aura des téléphones comme Alors ça, je crois ça? pas. Hannigan, vérifie s'il existe une unité du BSA près du champ pétrolifère. Qu'est-ce que c'est? Elle voit le missile. Ok, j'ai un Chris Redfield en ligne. Je te mets en contact avec lui. Chris Redfield. Léon! Léon, où t'es? Chris, on est devant Tachi, pourquoi? Et ouais, ça ne fait que commencer. Comme Scarine a vu cette scène climatique, il a dit qu'elle était belle. Ah ouais? Ouais. Oh. Bah c'est vrai qu'elle est bien faite quand même. Ouais. Par contre, il n'y a pas beaucoup de zombies chinois. Ouais. Mais on en voit plus quand on fait le chapitre 5. Ouais. Bon, allez, le verdict. On a. Oh Oh, ouais. t'as eu un S, c'est pas juste. T'es battu. T'as eu plus de J'ai eu le grand S. T'as eu plus de précision que moi. Ah bah. À cause de la précision. Pas beaucoup, quoi. Ça, c'est la précision, ça. C'est chiant, ça. Ouais, bah ouais. J'y étais presque, mais voilà. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup en écart, hein. Que 4 points. Ah, ouais, c'est vrai. Enfin, 4 pourcentages. Ouais. Enfin, voilà. Et Par contre, donc. je ne sais pas si moi, c'était mis en professionnel ou quoi, parce que je trouve que Ouais. c'est facile. Bah, je sais. Bah, écoute, c'est ça, attends. On va quitter. Et puis regarde dans tes. Bah, tu retournes dans le chapitre et puis tu regardes. Ouais, bah oui, pour voir si c'est mis en professionnel Ouais. ou en amateur. Enfin, normalement, vu que tu étais l'autre de la partie, Bah, je ouais, je pense que sais. ça m'avait mis aussi en professionnel. Bah, regarde. Attends, Bien. jouer. Ou alors, tu fais où campagne Moi, ou. ça m'a mis en amateur, en fait. Ah ouais. Ouais. Ah bah ouais. C'est ça, je sais pas pourquoi, c'est bizarre ça. Certainement qu'il faut que tu fasses au moins un chapitre en professionnel avant. Je pense que c'est parce que vu que c'était la première fois que j'ai fait avec Elena. Ah peut-être, ouais.
Enfin voilà quoi. Bon et bah je crois que on vous fera plus tard le chapitre 5. Ouais, le chapitre 5 et puis et ça sera terminé déjà avec Léon. Voilà, et aussi on essaiera entre-temps de vous faire une partie de mercenaries aussi. Ouais. Parce que ça serait pas mal ça. Ouais, bah oui. Et puis en attendant, je crois qu'on va y aller, on va vous dire salut hein. Et puis à la prochaine hein. Salut. Allez, à plus.